Exercice 3 해보겠습니다. Vous allez écouter une fois trois documents. 예, 네, une fois예요. Deux fois가 아니고요. Une fois. 한 번만 나오는 거죠. 한번 듣고 대답을 해야 돼요. 좀 어려울 수 있어요. 그쵸? Il n'y a pas de deuxième chance. 두 번째 기회는 없는 거예요. 한번 듣고 바로 맞추셔야 돼요. 자, 듣고 한 번에 답해야 돼요. 네. 자, 잘 들어야겠죠? 집중해서. 기회는 한 번이에요. Mercredi prochain s'ouvre à Montreuil le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. C'est donc l'occasion pour nous de vous faire découvrir un projet destiné aux jeunes. Écoutons Elsa Maudet. Elle est journaliste à Libération, où elle a cofondé il y a 2 ans le Petit Libé, une version hebdomadaire du quotidien consacrée aux 7-12 ans. J'ai l'impression que la presse jeunesse est en plein développement, car jusqu'à maintenant, on n'avait que les magazines de divertissement habituels, qui sont là depuis 20 ans et qui font très bien leur travail, mais qui étaient un peu tout seuls, on va dire. Mais maintenant, on en trouve de nouveaux, plus centrés sur l'actualité et qui plaisent tout autant aux enfants. D'un côté, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente de leur part concernant l'information, et d'un autre côté, avec le journal que nous proposons aux enfants, on a voulu montrer que c'est un milieu où on peut aussi s'amuser et faire des choses sympas. En tout cas, j'espère que ce développement de la presse jeunesse va aider les enfants à pouvoir analyser l'actualité de façon critique et à grandir avec une image différente de ce métier. Script 보겠습니다. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. 그다음에 pause de 15 secondes. 15초 동안 쉬는 시간이 있어요. 15초 동안 빨리 읽어야 돼요. 자, qu'est-ce qu'on constate dans l'évolution de la presse jeunesse actuellement? 그래서 la presse jeunesse 젊은이들의 언론 발전. 어떻게 되어 하고 있어요? 오늘날. Il y a plus de titres pour tous les âges. 모든 나이를 위한 타이틀이 더 많아지고 있어요. Il y a plus de magazines de divertissement. 디버티스먼트, 예능에 대한 잡지들이 많아지고 있어요. 아니면은 il y a plus d'importance donnée à l'information. 정보를 주는 것에 더큰 중요성이 생긴다. Selon Elsa Maudet, Les nouveaux types de magazines vont, 네, 이 새로운 스타일의 잡지들은 vont encourager l'écriture, 글쓰기를 더 장려하게 되나요? vont promouvoir la lecture, 독서를 촉진시키나요? chez les jeunes, 아니면 favoriser la réflexion sur l'actualité chez les jeunes. 젊은이들이 actualité, 시사 et réflexion, 숙고, 성찰, 성찰력 그런 것이 촉진되는 것을 추려하게 되나요? 자, 그러면은 스크립트 우선 보시겠습니다. Animateur, mercredi prochain s'ouvre à Montreuil le salon du livre et de la presse jeunesse. 네, 그래서 수요일날, 다음 주 수요일날 몽트레이에 뭐가 오픈하냐면은 Le salon du livre. 이렇게 salon이 대문자로 되어 있잖아요. 그러면은 어떤 박람회, 뭐 그런 거가 되는 거예요. 그래서 책과 젊은이들의 보도, la presse, 에 대한 salon, 박람회가 열리는데요. C'est donc l'occasion pour nous. 어떤 기회냐면은요. 우리에게 de vous faire découvrir un projet destiné aux jeunes. 젊은이들을 향한 프로젝트를 여러분들에게 알게 해드리는 그런 기회입니다. Écoutons Elsa Maudet, elle est journaliste à Libération. Libération의 기자, où elle a cofondé, 공동 창립한 거예요. Il y a 2 ans, 2년 전에, le Petit Libé.
예, 그래서 리베라시옹이 있고 신문사 유명한 프랑스 신문사 있고 르 뿌띠 리베를 창립했대요 같이 누군가와 퐁대면은 이제 혼자 한 건데 꼭 퐁대면은 누군 같이 예 같이 2년 전에 같이 꼭 퐁대니까 그리고 une version hebdomadaire du quotidien consacré aux 7-12 ans 그래서 7-12 ans 나이에게 나이를 위한 7살에서 12살을 위한 hebdomadaire du quotidien인 거죠. hebdomadaire 즉 일주일에 한 번씩 나오는 잡지를 말하는 거예요. hebdomadaire 한 달에 한 번이면은 mensuel. 자, 엘사 모드의 답변 보겠습니다. J'ai l'impression que la presse jeunesse est en plein développement. 프레스 제네스 젊은이들을 위한 언론이 en plein développement 지금 막 성장하고 있다고 이렇게 생각합니다. Car jusqu'à maintenant, 지금까지는 on n'avait que les magazines de divertissement habituels 항상 있던 divertissement 예능 잡지만 있었는데요. Qui sont là depuis 20 ans, 20년 전부터 있는 et qui font très bien leur travail. 그들의 일을 잘하고 있는 그런데 mais qui était un peu tout seul 근데 그런 것들만 있었죠 on va dire는 추가 뒤에 추가할 수 있는데요 qui était un peu tout seul disons도 추가할 수 있어요 on va dire 그렇게 말할 수 있죠 이런 거예요 그렇게 말할 수 있죠 mais maintenant On en trouve de nouveaux, 네, 새로운 것들 찾게 되고요. Plus centré sur l'actualité. 그래서 최신 뉴스에 더 centré, 중심이 되는. Et qui plaise tout autant aux enfants, 아이들에게 예전처럼 마음에 들게 하는. D'un côté, 한편으로는 On s'est rendu compte, 무슨 알게 됐냐면요, qu'il y avait une vraie attente de leur part, 기다림이죠, 기대, 기다림, need, de leur part concernant l'information. 예, 그들이 정보에 대해서 그런, 잡지가 있었으면 하는 그런 바람이 있었다는 거죠. Et d'un autre côté, 그리고 또 다른 한편으로는, avec le journal, Que nous proposons aux enfants, 아이들에게 우리가 제공해주는 이 신문을 통해서, on a voulu montrer que c'est un milieu où on peut aussi s'amuser. 이런, actualité, 이런 뉴스, 분야에서도, 밀류 분야에서도, on peut aussi s'amuser. 재밌게 즐길 수도 있고요. 에, faire des choses sympas. 재밌는 일을 할수 있는 거. 그런 것을 보여주고 싶었어요. On a voulu montrer. En tout cas, 아무튼, j'espère que ce développement de la presse jeunesse, 젊은이들을 위한 이 presse 언론의 발달이 va aider les enfants 어떻게 무엇을 à pouvoir analyser l'actualité. 그래서 뉴스를 소식들을 아날리즈해 분석하는 것 분석할 수 있도록 아이들이 분석할 수 있도록 도와줄 거고요. 그리고 de façon critique에 비평하다 그래서 비평하면서 그래서 그냥 접하는 것만이 아니라 더 그것에 대해서 생각할 수 있게 분석할 수 있게 해준다는 거죠. Et à grandir avec une image différente. de ce métier. 그리고 grandir 더 성장하게 되는데요. 어떻게? avec une image différente de ce métier. 이 직업에 대한 journaliste 이 직업에 대한 다른 이미지를 갖게 하면서 네, 자 그러면 우리 답변해 봅시다. 네, 들어보면서
Mercredi prochain s'ouvre à Montreuil le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. C'est donc l'occasion pour nous de vous faire découvrir un projet destiné aux jeunes. Écoutons Elsa Maudet. Elle est journaliste à Libération, où elle a cofondé il y a 2 ans le Petit Libé, une version hebdomadaire du quotidien consacrée aux 7-12 ans. J'ai l'impression que la presse jeunesse est en plein développement. Car jusqu'à maintenant, on n'avait que les magazines de divertissement habituels, qui sont là depuis 20 ans et qui font très bien leur travail, mais qui étaient un peu tout seuls, on va dire. Mais maintenant, on en trouve de nouveaux, plus centrés sur l'actualité. Et plus centrés sur l'actualité. Yesuetcha. Et qui plaisent tout autant aux enfants. Et maintenant, l'actualité, les nouvelles, l'information. D'un côté, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente de leur part. Et 왜냐면 그들이 또 그런 거를 기다리고 있기도 하고요, 아이들이. 그런 잡지들, 기존에, 내 마게스인데, divertissement, 여기 매 보시면은, il y a plus de magazines de divertissement. 이건 예전이었죠. 예전에, 예전부터 이어지는, 지금도 있지만, 그래서 예능 잡지, 답변 아니죠. 그리고 il y a plus de titres pour tous les âges. 이것도 아니죠. 정답은 C. Il y a plus d'importance donnée à l'information. 이렇게 말했잖아요. 자, 계속 들어볼게요. Concernant l'information. Et d'un autre côté, avec le journal que nous proposons aux enfants, on a voulu montrer que c'est un milieu où on peut aussi s'amuser et faire des choses sympas. En tout cas, j'espère que ce développement de la presse jeunesse va aider les enfants à pouvoir analyser la... Donc, vont aider les enfants à pouvoir analyser. Tu vois? Et analyser l'actualité. 이게 바로... 즉, 이번 답변에 필요한 문장이었어요. Actualité de façon critique et à grandir avec une image différente de ce métier. 네, 그래서 analyser de façon critique. 그렇죠? 즉, favoriser la réflexion sur l'actualité chez les jeunes. La réflexion. 동사는 réfléchir. 생각하다. 그래서 encourager l'écriture, 뭐 이런 거 없었죠. 이런 말 없었고, promouvoir la lecture, 이런 말도 없었어요. 네, 정답은 C. 자, document 2로 넘어가 보겠습니다. 이것도 마찬가지로, une écoute.